Bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les gars ce fameux planeur que vous m'avez tous parlé, donc par rapport au tournoi d'Ardeville, etc. Le nœud du conflit en anglais Nexus War Glider, donc ce planeur les gars. Et maintenant disponible en images, on a quelques images disponibles, c'est ce que vous avez pu voir d'ailleurs dans la miniature de ma vidéo. Ces images nous permettent de voir du coup que c'est un planeur ni plus ni moins qui ressemble à ceux qu'on a gratuitement dans le pass de combat, qui ont un thème à chaque fois défini sur leur hologramme, si je puis dire, sur leur plaque holographique. Donc ici, quand on va dans le casier et qu'on va dans planeur, vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit, les gars. Il s'agit de ces planeurs ici, donc ces planeurs MCG. Donc regardez, ils ont des images qui s'affichent lorsque vous les activez, et vous avez actuellement donc le par défaut, la version volume 1 hashtag 6, donc avec les images qui se mettent Fatalis. Là c'est l'image normalement de Groot. Je vais laisser justement que vous puissiez voir chaque image en détail. Donc volume 2 hashtag 27, etc. Donc là actuellement sur cette image c'est She-Hulk. Sur cette image normalement c'est Tornade ou Mystique. Hop, voilà l'image. Ensuite sur celle-ci, volume 3, hashtag 1. Si je me trompe pas, attendez qu'on voit ce que c'est là. Voilà, c'est Tornade. Sur le volume 6, hashtag 3, c'est Thor. Ici, c'est Iron Man normalement. Donc volume 3, hashtag 1. Et le dernier en date que j'ai ici, c'est le volume 2, hashtag 145. Et normalement, c'est Wolverine, si je ne me trompe pas. Voilà. Ce sera du coup un planeur de cette sorte-là qu'on va avoir gratuitement. Et comment l'avoir justement le planeur gratuitement? Il va falloir les gars quand même faire un minimum d'efforts si je puis dire. Il va falloir participer aux 4 cups exclusives donc qui vont avoir lieu comme celle-ci que vous allez voir dans le menu des compétitions qui est ici, la Coupe d'Ardeville. Donc cette Coupe d'Ardeville c'est demain qu'elle commence, donc mercredi. Je serai d'ailleurs en live à 18h pile au début de la Coupe. Et je serai encore en live à 21h pour vous montrer si oui ou non on a réussi à avoir le skin d'Ardeville. Donc ça c'est la première coupe qui va commencer, d'accord? Suite à cela il va y avoir d'autres coupes. Normalement elles ne sont pas encore mises ici justement dans les coupes. Vous allez avoir petit à petit des informations concernant ces coupes. Toutes les semaines normalement il y en aura une. Et lorsque vous participerez aux 4 coupes, rien de compliqué, hein, une seule game suffit. Vous lancez une game et ça vous valide votre participation à la coupe. Si vous avez la 2F activé, eh bien vous allez avoir au bout de ces 4 coupes le planeur exclusif que vous avez pu voir en miniature. Alors, est-ce que ça vous plaît? Moi oui, personnellement, dans le sens où Fortnite font des efforts pour essayer de donner du contenu gratuit aux gens, et en plus ces planeurs, on va pas se mentir, dépendant du style que vous allez arborer, eh bien ils sont franchement assez sympas. Donc le planeur est stylé, l'image dessus est un peu animé, franchement ça fait comme si vous aviez un écran de cinéma sur le planeur, donc je trouve ça stylé de leur part et je leur dis merci, sachant qu'en plus si vous voulez vraiment participer à ces cups, vous allez avoir la possibilité de gagner des skins gratuits. Ces skins ressortiront d'ailleurs par la suite en boutique. Pour ce skin là, pour la première coupe d'Ardeville, donc 14 octobre demain, eh bien le skin sera en boutique le 17 octobre, d'accord? Donc en vrai, vous pouvez avoir en exclusivité 3 jours avant et gratuitement un skin qui ressortira en boutique après, que tout le monde devra payer, donc c'est franchement pas mal. Voilà en tout cas les informations les gars pour le planeur, comment l'avoir, quelle est son image, etc. Tout simplement, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre le code créateur Telmo-Lopez si vous voulez me suivre sur les réseaux Instagram, Discord, Twitch, etc. Twitter, bref, tout ça c'est en description. Je publie pas mal de choses dessus. Le Discord est super actif, donc n'hésitez pas à y aller. Mais le plus important les gars, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.